Coucou tout le monde, je me trouve actuellement à New York, plus précisément je suis à une heure au nord du centre-ville de New York, dans un centre commercial qui s'appelle Woodbury Common. Alors ce centre commercial, c'est un peu l'équivalent new-yorkais de la Valley Village en région parisienne, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est un centre commercial qui réunit pas mal de grandes marques du genre Dior, Saint Laurent, Fendi, Prada. Et en fait, c'est un centre commercial qui propose des articles de grandes marques à des prix un peu réduits. Donc j'avoue que j'ai un budget limité. Vous savez que je me suis acheté un sac il n'y a pas très longtemps. Les fêtes de fin d'année arrivent dans pas très longtemps. Donc je vais surtout faire du lèche-vitrine, je pense, aujourd'hui. Coup de cœur du jour pour ce sac de jour, justement. Il est super sympa, il n'est pas très grand et je viens d'acheter un sac à main, donc il n'est pas question que j'en achète un autre. Mais ouais, il est vraiment, vraiment joli. Espoir d'acheter une ceinture ou deux aujourd'hui et espoir rapidement touché parce que pour le moment aucune des boutiques que j'ai visitées ne propose des ceintures un tant soit peu sympas. Bon. Date de 2019 je crois, donc là on est vraiment 2-3 saisons en retard. Thank you.
J'essaye de regarder à travers la vitre de chez Givenchy pour voir si ça vaut le coup d'entrer ou pas. Parce que, en fait, il y a la queue. J'ai un peu la flemme d'attendre. Rapidement chez Saks Fifth Avenue, c'est un genre de galerie Lafayette, hein, pour faire court, pour faire rapide, et ils ont un corner vintage qui s'appelle Luxury and Company Luxury Vintage, et en fait ils vendent des sacs de différentes marques, notamment du Vuitton. Alors les sacs sont pas forcément en super bon état. Et je repars à la ville. Bon, ça y est, ma visite de Woodbury se termine. C'était intéressant. En fonction des magasins et en fonction des périodes de l'année, les remises ne sont pas les mêmes. Donc, il faut venir régulièrement pour, je pense, trouver de bonnes affaires. Maintenant que les États-Unis rouvrent leurs bras en grand à tous les touristes, si vous avez l'intention de venir à New York et que vous avez un après-midi à tuer, passez par Woodbury Common, ça peut être une bonne idée. Une longue file d'attente jusqu'à... Hi. Hi. Yes, it is. But the French YouTube. Yes, French YouTube. Donc, une grande file d'attente est déjà formée devant le magasin Gucci, alors que la boutique n'est pas encore ouverte. Moi, j'ai pas l'intention d'y aller. Donc, on va continuer notre déambulation.